descend de maracas, des tambours, accompagnés d'une guitare basse, un bouillon de culture musicale dont Stevie Maï et LS tentent de trouver la bonne partition durant la séance de répétition avant le grand concert de la 5e édition du festival Soul Power, inscrit sous le signe des musiques d'Afrique et des Caraïbes. Stevie Maï, d'origine guadeloupéenne, et LS, d'origine congolo-gabonaise, ont porté étendard de leur culture d'origine, ont relevé le défi d'une performance pluridisciplinaire avec des instrumentistes à peine abordés sur le tas, mais les artistes se sentent confiants. C'est une belle surprise, sachant que j'avais jamais joué avec ces musiciens-là. C'est tout naturel en fait, la musique, il y a vraiment une espèce d'universalité parce qu'ils entendent bien ma musique, ils comprennent bien, et ce qui est intéressant c'est qu'ils ramènent une touche qui est personnelle. Alors justement moi, ma particularité c'est que après avoir fait Aphrodisiaque, après avoir fait des albums solo, je me suis lancé dans la musique zouk afro, et c'est justement ma particularité, c'est que je suis d'origine africaine et j'ai fait du zouk et ça a plutôt bien marché. Au cœur de ces chants s'immiscent naturellement des mots créoles et kikongo, d'autant plus que les deux cultures ont un lien historique étroit et riche de sens. Même le terme Congo, d'où je viens en Guadeloupe, il y a beaucoup de récurrences, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc après, je ne sais pas vraiment, mais en tout cas, on a toujours la sensation qu'on serait venu principalement de la région du Royaume Congo. Et puis même dans le créole, dans la langue qu'on parle, il y a beaucoup de mots en kikongo. C'était intéressant de retracer cette espèce de ligne-là qui me ramène en terre Congo, je trouve. Exactement, c'est une belle coïncidence. Il y a Pointe-Noire-Guadeloupe, Pointe-Noire-Congo. Et vraiment, j'ai vraiment l'impression comme ça, dans mon imaginaire, je ne sais pas en tout cas si c'est peut-être sublimé ou pas, mais de me dire que je termine ce que mes ancêtres ont commencé. En fait. Sur scène, quand la magie de la musique opère, toutes les âmes se mettent d'accord. C'est comme si mon âme avait toujours été...